Salut, soyez les bienvenus dans Xenius. Nous vous emmenons aujourd'hui dans un lointain voyage à des centaines de millions de kilomètres d'ici. Destination, la comète Chury, que voici. Les chercheurs observent cet astre céleste au moyen d'une sonde spatiale. Vous avez sûrement entendu parler des exploits de la sonde spatiale Rosetta, ainsi que des aventures de son robot atterrisseur Philae. Les deux engins remplissent une mission passionnante qui doit nous permettre de comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Cette mission est pilotée depuis le centre opérationnel de l'ESA, l'agence spatiale européenne située à Darmstadt. Nous sommes curieux de savoir comment Rosetta s'y prend pour élucider le mystère de nos origines et ce qu'elle a découvert jusqu'à présent. Mais d'abord, faisons le point sur l'incroyable odyssée de l'espace de Rosetta et Philae. Tout a commencé avec cette fusée. 4, 3, 2, unité, top, allumage moteur Vulcain. Décollage. En 2004, une fusée Ariane 5 décolle de Kourou et propulse la sonde Rosetta vers une comète. C'est le début d'une mission unique dans l'histoire de l'aérospatiale. En novembre 2014, après 10 ans de voyage à travers notre système solaire, l'objectif est enfin en vue. Rosetta doit larguer Philae, son robot d'exploration, sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, surnommée Chury. Dans toute l'Europe, les scientifiques retiennent leur souffle. L'issue de ce projet d'envergure reste une inconnue. Nous avons affaire à un milieu très difficile, très actif. Cela n'a rien à voir avec un vol spatial ordinaire. Nous avons dû, pour ainsi dire, voler et apprendre à voler en même temps. Objectif de l'atterrisseur Philae, s'ancrer sur la comète Chury afin d'y mener diverses expériences. Fred Gussman fait partie des chercheurs qui ont travaillé de nombreuses années pour vivre ce moment. C'est le point d'orgue de ma carrière. Ce projet a débuté il y a 16 ans et je ne pourrai plus jamais travailler sur une mission aussi longue, car j'aurai atteint l'âge de la retraite. C'est une expérience professionnelle que l'on ne vit qu'une fois, et encore quand on a de la chance. Les chercheurs veulent percer certains mystères, notamment celui des origines de la vie sur Terre. Rosetta et Philae sont équipés de caméras et d'instruments de mesure qui doivent permettre d'analyser la comète et son environnement. Rosetta a cartographié pendant plusieurs mois la comète afin de sélectionner un site d'atterrissage approprié pour Philae. La sonde n'a pas droit à l'erreur. Nous étions très nerveux. Il fallait être sûr que Rosetta se trouve sur la bonne orbite. Tout cela a très bien fonctionné. Rosetta a parfaitement réussi sa manœuvre. Après plus de 10 ans de voyage commun à travers l'espace, Rosetta largue Philae avec une précision parfaite. Philae est désormais livré à lui-même. Des photographies immortalisent la séparation. Pour Fred Gussman, qui a développé COSAC, l'un des instruments de Philae, le suspense est total. Nous étions au comble de l'excitation. Des médecins auraient probablement jugé notre état inquiétant. Mais quand on vit ce genre de moment, on est gagné par l'euphorie. Il ne restait plus que 7 heures avant l'atterrissage. Philae se pose enfin sur la comète. Au centre opérationnel de l'ESA à Darmstadt, on acclame le signal tant attendu. Et puis, c'est le choc. Philae ne parvient pas à s'ancrer à la surface et rebondit plusieurs fois. Là, je me suis dit que la mission était fichue. Les scientifiques redoutent que l'atterrissage manqué sur la comète ne mette un terme définitif à des années de travail. 2 heures après cet atterrissage mouvementé, Philae finit par se stabiliser. Les premières photos font le tour du monde. Mais au bout de 60 heures de travail, silence radio. Faute d'ensoleillement, les batteries solaires sont épuisées. Il faudra attendre 7 mois pour que Philae sorte de sa léthargie. Le 13 juin 2015 au soir, le robot rechargé en énergie solaire envoie un signal à Rosetta. Un mal pour un bien. Dans l'endroit peu éclairé où il s'est logé, Philae ne risque pas la surchauffe.
Un atout majeur au fur et à mesure que la comète se rapproche du Soleil. L'équipe de COSAC a repris du service. L'atterrisseur est toujours en vie. Et rien que ça, c'est déjà formidable. Mais réveiller définitivement Philae reste pour la sonde Rosetta et les scientifiques un défi de taille. Pour découvrir comment les scientifiques accompagnent la comète, nous nous rendons dans la salle de contrôle de Darmstadt. Toutes les informations atterrissent dans cette salle où l'on travaille 24 heures sur 24. C'est également d'ici que les chercheurs envoient leurs instructions à la sonde Rosetta et la pilote, en sachant que la moindre erreur peut faire échouer toute la mission. Bonjour. 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 Enchanté. Sylvain Loudio, vous êtes le responsable des opérations de vol de Rosetta. Ça veut dire que vous êtes le pilote de cette sonde. Cependant, vous n'êtes pas tout seul. Est-ce que vous pouvez nous montrer qui contrôle quoi ? Alors ici, c'est la salle de contrôle de Rosetta. Donc cette aile ici est dédiée à Rosetta. Et en ce moment, on est hors contact, mais il y a un contrôleur qui est là en permanence, donc 24 heures sur 24, et qui gère par défaut tout ce qui se passe sur Rosetta. Après, s'il y a des soucis, des pannes, etc., il va appeler d'autres du renfort pour nous aider. Si vous voulez, on peut rentrer dans cette salle, aller jeter un coup d'œil. Alors on va essayer de ne pas faire trop de bruit parce qu'on a un contact en parallèle avec Mars Express et on va essayer de ne pas trop déranger. On va rester quelques minutes et après on ressort. Ok. Et comment est-ce que l'on pilote une sonde à des millions de kilomètres ? Comme toute sonde, la seule différence, c'est que les instructions, on les envoie pas en temps réel. On les envoie, donc, par exemple, demain, on va envoyer des instructions pour de samedi à lundi prochain. Mm-hmm. Voilà. Et ça, c'est de la planification d'activité qui est faite en amont. Mm-hmm. Donc le travail va commencer demain matin et on enverra les instructions demain soir. Alors, ce sont des écrans qui montrent des chiffres. Pour nous, c'est indéchiffrable. Qu'est-ce que vous, quand vous voyez ces écrans, vous pouvez lire en fait comme information ? Ouais. Alors, bon, par exemple, ici, vous avez tout l'historique des instructions qui ont été exécutées à bord. Donc, vert, c'est un bon signe, c'est qu'elles ont été exécutées, c'est que tout va bien. On a une traçabilité entière des instructions, donc on sait quand elles ont quitté le sol ici, quand elles sont arrivées à bord, quand elles ont été exécutées à bord, on peut tout décrypter. Et ça, vous avez un écran ici de télémétrie, donc ça, c'est le dernier contact qu'on a eu avec Philae. Et on voit le signal, le signal de, donc ça c'est l'échelle du bas, c'est le temps. Et ça c'est la puissance du signal reçu à bord de Rosetta. Alors pour l'instant, vous rencontrez quelques difficultés à établir une bonne communication entre Philae et Rosetta. Qu'est-ce que cela implique pour vous en termes de pilotage ? La comète est devenue très active. Il y a beaucoup de poussière autour de la comète et ça perturbe nos capteurs d'étoiles qui fonctionnent absolument bien. Mais il y a tellement de poussière qui confondent les poussières avec les étoiles et donc ils ne marchent pas forcément toujours très bien. Et donc ça empêche Rosetta de se positionner dans l'espace et de savoir exactement où elle est. Donc ça, c'est vraiment un problème pour nous. On a été obligé de graduellement s'éloigner de la comète. Donc on a été jusqu'à entre 200 et 240 km de la comète. Alors bien sûr, pour Philae, ça, ce n'est pas très bon, parce que la distance théorique maximum, c'est 100 km. On a eu des contacts jusqu'à 200 km, donc on essaye graduellement de se rapprocher. Mais bien sûr, la sécurité de la sonde prime. En mars 2015, vous vous êtes fait une belle frayeur, justement à cause de ces poussières d'étoiles. Là, vous avez perdu le contrôle de l'orbiteur. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre de cet épisode ? Alors, moi, la sonde nous a averti, si vous voulez, nous a dit qu'on ne pouvait pas continuer à la piloter comme cela. Et en fait, ça a changé énormément de choses au sol. On a dû complètement revoir la façon dont on opérait la sonde. On a dû déjà s'éloigner de la comète. Hein. C'est pour ça qu'avant, on faisait des survols jusqu'à 5-6 km de la surface. Maintenant, ça, ce n'est plus possible. On ne pense pas descendre en dessous de 100 km pendant quelques temps. Et on a aussi dû entièrement modifier la façon dont on planifie les activités. Pour vous donner un exemple, la trajectoire de vol était prévue jusqu'à 4 à 8 mois à l'avance et maintenant on la décide le lundi et le jeudi pour exécution pratiquement 2 à 3 jours après.
Voilà, donc ça, ça a eu énormément de conséquences aussi sur la planification des instruments scientifiques. Comment eux, ils prédisent le pointage, etc. Merci beaucoup, on vous souhaite une belle continuation. Merci. Piloter une sonde pour aller explorer une comète est tout autant une aventure scientifique qu'un défi immense pour les chercheurs. Mais le jeu en vaut la chandelle, car c'est un moyen unique de mieux connaître ce corps céleste. Les comètes, comme Tchoury, sont composées principalement de glace et de poussière, d'où leur surnom de boule de neige sale. Elles proviennent de la ceinture de Kuiper, située à l'extrémité de notre système solaire et gravitent autour du Soleil. Mais il arrive parfois que l'une d'entre elles dévie de son orbite et s'approche de la Terre et du Soleil. Sous l'effet de la chaleur, la glace se vaporise. Des particules de gaz et de poussière sont éjectées par le vent solaire. Une queue se forme au bout de la comète. Les comètes sont fascinantes, car elles nous font découvrir un monde auquel nous n'aurions pas accès sinon. Elles sont apparues il y a des milliards d'années, en même temps que le système solaire. Et beaucoup d'entre elles sont certainement tombées sur la Terre. La question est de savoir ce qu'elles transportaient avec elles. Certains chercheurs supposent que les comètes auraient apporté l'eau sur Terre, et peut-être même les composants de la vie. Au moment de sa formation, notre planète était si brûlante que l'eau s'est probablement évaporée et que la substance organique a été détruite. Sauf que... Dès que la Terre s'est refroidie, la vie est apparue. On trouve des bactéries fossiles qui le prouvent. Cela a dû se produire relativement vite. Et c'est l'énigme à laquelle la science tente de répondre. Comment la vie est-elle apparue? Comment est-on passé d'une matière morte, inanimée et composée d'une profusion d'atomes à une matière animée? C'est à ces questions que le robot laboratoire Philae doit répondre en explorant Tchoury. Plus facile à dire qu'à faire, étant donné la très faible gravité sur la comète. Philae est équipé de 10 instruments scientifiques. Des caméras, une foreuse pour récolter des échantillons de sol, ainsi que d'autres outils destinés à effectuer diverses analyses de la comète. COSAC, l'instrument développé par Fred Gussman, est une pièce maîtresse de Philae. COSAC est pour ainsi dire le nez de Philae. Nous voulons, grâce à lui, identifier chimiquement les composés cométaires volatiles. L'objectif est de révéler les liaisons entre les différents atomes. Et la mission de COSAC est d'identifier ces liaisons. Autrement dit, identifier les molécules qui sont peut-être à l'origine de la vie. Problème, la comète Tchoury est très active et les instruments sensibles sont soumis à des conditions extrêmes. Les ingénieurs thermiques ont calculé la température à laquelle l'électronique risquait d'être soumise. Et ça faisait vraiment peur. Nous savons, grâce à nos tests, qu'elle peut supporter jusqu'à moins 60 degrés. Mais par moins 160 degrés, c'est une autre paire de manches. Jusqu'à présent, Rosetta et Philae ont toutefois relativement bien supporté leur long voyage semé d'embûches à travers le système solaire. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ferry. Retour à Darmstadt, à l'Agence spatiale européenne, où nous avons le privilège de voir de près à quoi ressemble la sonde spatiale Rosetta. Voici en effet sa sœur jumelle, conservée dans une salle dite blanche, sans aucun grain de poussière. Il s'agit d'une copie grandeur nature. De l'autre côté, nous avons vu l'immense antenne parabolique qui permet la communication avec la Terre. Paolo Ferri, vous êtes le chef des opérations de l'ESA. Dites-nous, c'est quoi ce trou au milieu? On a l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, le trou correspond à l'emplacement du robot Philae. La copie de Philae ne se trouve pas chez nous, mais chez nos collègues de Cologne, au centre de contrôle de l'agence aérospatiale allemande. La sonde Rosetta s'est envolée avec Philae à son bord et le trou correspond à l'emplacement de ce dernier au cours du vol, avant son largage sur la comète. Pour tout vous dire, nous sommes un peu surpris de l'apparente fragilité de l'ensemble. Cette sonde doit quand même accompagner une comète en voyageant à grande vitesse à travers l'espace. Elle ne risque pas de se casser ?
Non. D'abord, il n'y a rien dans l'espace. Et ensuite, il faut que la sonde soit légère, car le poids est un facteur de coût important. Tous ces éléments sont donc très légers. Et comme il n'y a pas d'air et pas de pression, la sonde peut atteindre une grande vitesse assez facilement. Et pourquoi possédez-vous cette copie ? Il était très important d'avoir une copie, étant donné la longueur du voyage qui a duré 10 ans et demi. Beaucoup de choses ont évolué à bord de Rosetta, comme les logiciels. Des problèmes sont apparus. Nous avions besoin d'une copie pour trouver des solutions, tester des modifications de logiciels et analyser des problèmes d'équipement informatique, afin de mettre au point de nouvelles procédures. Cela veut dire que lorsque vous envisagez, par exemple, une mise à jour de logiciel, vous la testez d'abord sur cette copie ? Tout à fait. Nous commençons avec un test sur cette copie, et s'il s'avère concluant, si nous sommes sûrs que les nouvelles procédures, les nouveaux logiciels fonctionnent, alors nous les envoyons sur Rosetta. C'est habituel de posséder ce genre de réplique ? Non, malheureusement. Nous avons eu de la chance. Avec Rosetta, nous avions de bons arguments. On construit des copies pour pratiquement toutes les missions, avant le modèle définitif, à des fins de test. Mais ensuite, comme on dit dans notre jargon, on les cannibalise. C'est-à-dire qu'on les démonte afin de récupérer les pièces pour de nouveaux tests et de nouveaux modèles. Avec Rosetta, étant donné la longueur de la mission, nous avons convaincu nos collègues qu'il était important de conserver la copie. Et c'était une très bonne idée. Vous le dites vous-même, le plus gros défi, c'est la durée particulièrement longue de la mission. Les composants commencent aujourd'hui à dater, étant donné que Rosetta parcourt l'espace depuis 2004. Qu'est-ce que ça implique pour vous ? Comment s'effectue la maintenance ? Vous avez par exemple un ordinateur qui fonctionne encore avec des disquettes. Oui, il y a là un lecteur de disquettes. Tout à fait. Ça n'existe plus depuis belle lurette. C'est vrai. Ici sur Terre, nous pouvons remplacer ce matériel. Et d'ailleurs, nous n'avons plus de disquettes. Mais là-haut, c'est impossible. Nous avons donc un ordinateur de bord avec une mémoire vive d'un mégaoctet. Mon portable a plus de mémoire. J'imagine. Ça ferait rigoler un gamin, un ordinateur avec un mégaoctet de mémoire. Mais c'est comme ça. Tous nos programmes logiciels doivent travailler avec cette mémoire vive limitée. Le microprocesseur non plus n'est pas très puissant. Et comme nos logiciels ont été développés et écrits pour ces appareils relativement anciens, cela nous limite un peu aujourd'hui. Et comment procédez-vous en cas de panne ? Comme nous ne pouvons pas réparer les appareils dans l'espace, la première option consiste à faire appel à la redondance, c'est-à-dire que nous disposons généralement d'un second exemplaire identique au premier. Quand ce n'est pas le cas, il faut alors développer soit de nouveaux logiciels pour faire face aux changements de configuration, soit de nouvelles procédures. C'est notre travail depuis maintenant 10 ans, mettre au point des solutions innovantes pour nous adapter aux nouvelles configurations. Et quelle est la suite du programme pour Rosetta ? Rosetta doit au moins accompagner la comète Chury dans son voyage autour du Soleil jusqu'au point le plus proche de ce dernier. C'est notre objectif. Nous voulons analyser l'activité de la comète et l'observer au cours de ce voyage. Ensuite, à mesure que la comète s'éloignera du Soleil, Rosetta finira par ne plus avoir assez d'énergie solaire pour fonctionner et nous devrons fin 2016 la placer en sommeil, comme en 2011, ce qui marquera la fin de la mission. Nous ferons alors peut-être atterrir Rosetta sur la comète, où elle rejoindra son robot Philae. Suivre cette mission depuis la Terre semble tout à fait passionnant. Mais quelle place occupe Rosetta pour vous en tant que chercheur ? Elle occupe pour moi une place très importante. Je travaille à ce projet depuis le début, soit presque 20 ans. Sa genèse remonte au milieu des années 90. C'est à ce moment-là qu'on a lancé l'idée d'une mission dédiée aux comètes. Ce qui à l'époque relevait de la science-fiction est devenu réalité. Rosetta représente une grande partie de ma carrière et me tient donc très à cœur.
Merci infiniment. Merci. Merci à vous. Et maintenant, venons-en à la question centrale. Qu'est-ce que les scientifiques ont appris grâce aux données fournies par Rosetta ? Rosetta a d'ores et déjà dévoilé un portrait surprenant de Chury. La comète dégage une odeur nauséabonde, à cause notamment du soufre et de l'ammoniac. Sa surface est plus noire que le charbon, son noyau est dépourvu de champ magnétique et sa densité est comparable à celle du liège. La comète renferme de l'eau sous forme de glace, mais qui est bien différente de l'eau terrestre. Ce ne sont donc pas les comètes comme Chury qui auraient apporté l'eau sur notre planète. Chury peut-elle néanmoins nous éclairer sur la façon dont la vie et les premiers organismes sont apparus sur Terre ? C'est à cette question que tente de répondre Fred Gussman avec COSAC, l'un des instruments embarqués à bord de Philae. Son spectromètre de masse a pour mission de rechercher des empreintes de molécules sur la comète. Le plan de départ, c'était Philae atterrit avec COSAC sur la comète, s'ancre à la surface, et on démarre le spectromètre de masse pour lui faire renifler l'atmosphère. Pas besoin de connaître son environnement, on peut le déclencher automatiquement. Seconde étape, on fore le sol de la comète pour prélever un échantillon que l'on chauffe afin d'analyser les vapeurs produites. Ça, c'était le plan. Mais dans la pratique, ça s'est passé un peu autrement. Suite à l'atterrissage raté de Philae, la foreuse ne peut en effet pas entrer en action pour prélever un échantillon de sol. Mais grâce aux pirouettes et rebonds du robot à la surface de la comète, COSAC peut néanmoins débuter ses mesures. Les rebonds ont provoqué un nuage de poussière. Et par un coup de chance, le capteur de notre instrument s'est retrouvé côté surface. Philae était pour ainsi dire le nez dans la poussière. Nous supposons qu'un grain de poussière a joué les intrus et s'est introduit dans l'instrument. Celui-ci s'est apparemment allumé et nous a fourni un spectre de masse. Ce n'était pas du tout prévu, mais tout d'un coup, c'était intéressant. À vrai dire, on n'aurait pas pu mieux planifier ça. Voici les empreintes moléculaires relevées à la surface de la comète, située à 500 millions de kilomètres de la Terre. Reste à savoir si le physicien peut se fier à ces données recueillies de manière inattendue. C'est là que la réplique grandeur nature de COSAC, qui se trouve depuis 10 ans dans une cuve sous vide, entre en jeu. Les données que nous avions mesurées étaient un peu surprenantes. Après les avoir analysées et interprétées, nous pensions avoir le fin mot de l'histoire sur le grain de poussière qui s'était introduit dans l'instrument. Ce scénario nous paraissait plausible, mais n'était pas avéré. Le mieux était de reconduire l'expérience ici, sur Terre. Pour ce faire, le physicien rentre divers mélanges de molécules dans la réplique de COSAC. Les résultats doivent confirmer ceux obtenus sur la comète. Conclusion. J'ai découvert diverses molécules organiques. Combinées ensemble, elles ne doivent pas sentir très bon. Je ne les ai pas encore mélangées, mais les collègues sont d'avis que le mélange doit dégager une odeur abominable. Il contient des composés d'azote, d'oxygène, d'hydrogène ainsi que de carbone. Des amides, des amines, des alcools et des aldéhydes. Ça ne doit pas sentir la rose. Peut-on en conclure que les comètes ont apporté sur notre planète des molécules ayant contribué à l'apparition de la vie ? À mes yeux, les molécules présentes sur la comète ne sont pas incompatibles avec la vie. Elles conviennent tout à fait pour une synthèse de molécules plus complexes, pouvant ensuite déboucher sur la vie. On n'en est pas encore là du tout, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Des comètes porteuses de vie. D'après les mesures de COSAC, l'hypothèse n'est en tout cas pas exclue. Mais il faudra encore du temps avant de dépouiller l'intégralité des données. La mission Rosetta, quant à elle, se poursuit. Depuis le réveil de Philae sur la comète Chury, les chercheurs espèrent recevoir de nouvelles données. Je le veux, ce fichu échantillon de sol. Ça peut peut-être encore marcher. Nous ne le savons toujours pas précisément, mais tout laisse supposer que le sol n'est pas tout à fait plat. En bougeant légèrement les jambes de Philae, on pourrait trouver une position qui permettrait à la foreuse d'atteindre le sol. Cet échantillon serait précieux. Les scientifiques ne sont pas au bout de leur découverte. Qui sait ce que Rosetta nous apprendra encore de ce monde situé à des millions de kilomètres de nous ?
C'est un incroyable périple qu'a entrepris la mission Rosetta. Faire atterrir un laboratoire sur une comète, c'est une première scientifique qui dépasse tous les films de science-fiction. Et ce qui est génial, c'est que la mission continue, en quête de l'origine de la vie. C'est vraiment passionnant de découvrir les méthodes avec lesquelles les scientifiques tentent de percer l'une des plus grandes énigmes. Nous ignorons encore comment la vie est apparue sur Terre. Mais je suis certain qu'on finira un jour par répondre à cette question. Allez, au revoir. À la prochaine. Salut. Elle, on l'embarque. Je lui ai déjà trouvé une petite place.